Il faut trouver les plus beaux coquillages possibles pour faire un collier à maman. Tada! J'ai dit les plus beaux coquillages. On va pas lui faire un collier de moule quand même. Bah, moi je trouve ça joli pourtant. Regardez! Ah oui, pas mal ça. J'entends la mer. Et moi aussi. Ça doit être un super coquillage parce que je l'entends d'ici. Les garçons, c'est normal d'entendre la mer. On est à la mer. Hein? Hé! Hey, viens par là, toi. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Le coquillage, il m'a chatouillé. Il m'a chatouillé l'oreille. Tu sais, les coquillages, ça ne chatouille pas. Ça n'a pas de petites pattes pour faire des guilis. Ah oui, et ça, c'est quoi? Oh, j'avais jamais vu ça. C'est peut-être un crabe, un petit crabe qui aime se déguiser. Un clown. Et maintenant, un magicien. Un détective. Mais tu dis n'importe quoi. Ça ressemble pas du tout à un crabe. Et pourtant, c'est presque un crabe. Et ça s'appelle un Bernard l'ermite. C'est de la famille des crabes. Mais comme il a une carapace molle, il se sert des coquillages vides pour en faire sa maison. Comment tu sais ça, toi? C'est grand-père qui me l'a dit. Mais comment ils font pour choisir leur maison coquillage? Peut-être qu'ils vont au marché. Admirez, admirez les plus beaux coquillages de l'océan! Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à ma taille? Mais bien sûr! Tac! Et voilà! C'est peut-être un peu gros! Mais non, il vous va parfaitement! Un marché où on peut trouver des coquillages? Ce serait bien parce qu'ici, à part des moules, il n'y a rien du tout! On n'a qu'à lui demander où il a acheté le sien. Pas sûr qu'il nous réponde. C'est très très timide, hein, Bernard l'ermite. Ah bon? Mais comment tu le sais? C'est aussi grand-père qui te l'a dit? Eh oui, il m'a raconté. Ce sont des animaux qui vivent enfermés chez eux. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais nous, on pourrait devenir tes amis. Vous voulez vous promener au fond de la mer avec moi? Ah oui! On aimerait bien, mais on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Oh, mais c'est facile. Un petit pincement magique et hop! Oh. Vous pouvez respirer sous l'eau. Tiens, une moule. Oh là, une belle moule. Encore une moule. Et vous trouvez pas que la mer monte? Elle me paraissait plus loin tout à l'heure. Oh. Ici, c'est le pays des crabes. Il faut marcher de profil. Oh, il y a plein de jolis coquillages pour maman. Occupé. Oh, pardon, monsieur. Si vous cherchez une maison, j'en ai deux ici qui sont très bien, avec vue sur la mer, complètement dégagée, très bien exposée. Et puis le voisinage est vraiment très raffiné. Vous êtes trop rigolo. Vous voulez pas rester ici avec moi? Et on doit rentrer chez nous. Nous, on ne peut pas, on est coincés. Seul un pincement magique va vous permettre de ne pas rester coincé. Écoutez, au lieu de jouer avec votre crabe mou, tu nous as sauvé la vie. Oui, grâce à ton pincement magique, on n'est plus coincé. Coincé? C'est maintenant qu'on est coincé. Regardez autour de vous. Vous voyez pas comme la mer monte? Tout à l'heure, ce rocher n'était pas dans l'eau. On devrait retourner sur la plage. Oh non, on est vraiment coincé. Il faut appeler maman. Maman! Maman! Coucou, mes chéris! Maman! Elle est trop loin, elle nous entend pas. Je vais plonger pour aller la chercher. Mais tu es fou, tu n'as pas ta bouée. J'ai une idée, on
n'a qu'à envoyer une bouteille à la mer avec un message dedans pour dire qu'on est coincé. Génial! T'as un stylo? Non. T'as une feuille? Non. T'as une bouteille? Non plus. Non, non. Ben alors, comment tu veux écrire et envoyer un message? Oui, c'est vrai. J'ai une autre idée, on n'a qu'à lui téléphoner. T'as un téléphone? Je ne t'oublierai jamais. Tu seras mon ami pour toujours. Mais tu dois comprendre, notre maman sera trop malheureuse sans nous. Il faut vraiment que tu nous aides à rentrer. Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller la chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé d'aller chercher maman. Vous n'avez pas faim? Vous avez passé l'après-midi sur ce rocher. Vous n'êtes même pas venu réclamer votre goûter. Maman, t'as pié? On pensait que c'était plus profond que ça. Vous aussi. Vous avez pié, mes chéris. Allez, on y va. Maman, comment tu as su qu'on avait besoin de toi? Je ne sais pas. Vous me manquiez. J'ai senti comme un petit pincement au cœur. Et ce petit pincement, vous savez bien qui l'a fait. Tiens, maman, un cadeau pour toi. C'est magnifique, mes chéris. Tu vois que c'est bien, collier de moule. Maman! Maman! Tu pourrais nous acheter une glace? Mais vous venez de goûter. Si vous mangez une glace maintenant, vous n'aurez plus faim pour ce soir. Oh si! Si, promis! On aura faim pour ce soir. Oh non, je vous connais. En plus, ce soir, j'ai prévu un plat délicieux. Et qu'est-ce que c'est ce plat délicieux? De la soupe d'ortie et de la langue de bœuf. De la langue? Mais pourquoi? On est punis? Mais non, vous savez, c'est pas facile de trouver une nouvelle idée de repas tous les jours. Et si ce soir, c'est vous qui vous occupiez du dîner? Oui! Tu vas voir! On va ramener des trucs super! Oui! Quoi? Non, non, c'était une blague. Oh, et puis je suis curieuse de voir ça. Allez, bonne pêche, les enfants! Il faut mettre des vers de terre sur les hameçons. Ça va attirer les poissons. Ah non, pas question de faire mal à des petites bêtes qui nous ont rien fait. J'ai une idée. Si on mettait des petits bouts de pain. Le pêcheur le plus fort du monde. Elle va être surprise, maman. Je vous le dis, moi. Au secours! C'est coincé! Aidez-moi! Oh! Waouh! Super! Attends, ce n'est pas fini. Waouh! Tu es la pêcheuse la plus incroyable du monde. C'est chouette. C'est la première fois qu'on pêche notre dîner. J'espère qu'on va attraper autre chose que des poissons. J'aime pas trop le poisson. Tu voudrais pêcher quoi? Un poulet rôti peut-être? Super! Tu es le pêcheur le plus incroyable du monde. Il n'y a pas beaucoup de poissons dans cette mer. Ou alors ils aiment pas le pain. Ah si, ils aiment le pain. Regardez, ils ont tout dévoré sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que ça marchait pas. Les coquins. Hein? Oh! Oh non! La mouette! Elle a dévoré toute notre réserve. C'est notre pain! Voleuse!
c'est fichu. Ce soir, c'est langue de bœuf. Attendez, venez m'aider, ça mord. On va ramener un énorme poisson. Attention, un dernier essor. Vite, allons voir ce qu'on a attrapé. Berk, c'est quoi ce truc? C'est tout visqueux. C'est une méduse. T'as pêché une méduse? Ça a pas l'air bon du tout. On dirait de la gelée. C'est très bon, la soupe de méduse. C'est plein de vitamines. Il faut finir toute votre assiette. On ne ramène pas ça à maman. On n'en mangera jamais. Oui, c'est pire que de la langue de bœuf. Allez, on la remet à l'eau. Touche pas avec ta main. Tu risques de te faire piquer très fort. Faut la pousser dans l'eau avec un truc. On n'a qu'à la laisser là. Mais non, c'est trop dangereux. Si quelqu'un marchait dessus. Oh, ça ne marche pas. Avec un peu de chance, elle va manger la méduse. C'est très bon, la méduse. C'est plein de vitamines. Raté. Même les mouettes n'en veulent pas. Ça doit être vraiment pas bon. J'ai une idée. Avec l'épuisette, on pourra la pousser sans se faire piquer. Va vite la chercher. Elle est restée à côté de maman. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon bonnet de bain par hasard? Je me baignais par là tout à l'heure, mais mon bonnet m'a été arraché de la tête. Oh, c'était mon bonnet préféré. Et il est comment votre bonnet de bain? Il est presque transparent avec des reflets bleus et roses. Il est très joli. On l'a trouvé, madame. Ça y est, avec ça, on va pouvoir enlever le truc horrible. De quoi s'agit-il? Rien. Mais si, la sale grosse méduse toute gluante qui pique. On l'a pêchée tout à l'heure. Voilà votre bonnet, madame. Attention, madame, ça pique, faut pas la toucher. Oh, mais oui, c'est bien mon bonnet. Merci beaucoup, les enfants. Je comprends plus rien, moi. Je t'expliquerai. Je suis tellement contente. Les enfants, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. D'où elles sortent, ces glaces? Vous n'aurez plus faim pour le dîner. Justement, tu nous as demandé de pêcher notre repas du soir. Eh bien, c'est fait.